Jean-Sébastien, je viens de Québec. J'étudie à la maîtrise en psychoéducation. Je suis venu à l'UQAT à Rouyn-Noranda avec l'idée un peu qu'il n'y allait pas avoir grand-chose à faire puis que c'était un petit peu perdu dans le bois, comme on dit. Mais j'ai vraiment été surpris là, par mon expérience quand je suis arrivé ici. Bonjour, Amélie Decomble, étudiante en création numérique à l'UQAT. Je viens de Lyon, en France. En fait, j'ai pas choisi de venir ici. Ça s'est fait par hasard. Ça a été une bonne surprise. Je m'appelle Emmanuel Tillier, je viens de la Nouvelle-Calédonie. Et je suis venu au Cégep dans le cadre d'un échange avec mon pays. Ce qui est intéressant, à Rouyn-Noranda, les étudiants ont vraiment l'occasion d'assister à beaucoup d'événements et surtout que même nos professeurs nous incitent à y aller. J'ai vraiment adoré vivre en région et ça a été vraiment une super expérience dans ma vie et tout ça, et j'en garderai un super bon souvenir tout le long de ma vie. Moi, c'est Valérie Saint-Amand. J'étudie au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en arts, lettres et communication. J'ai décidé de rester ici, moi, parce qu'il n'y a pas juste l'école, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le FME, l'été, il y a le Festival du documentaire, Ossisco en lumière. On trouve tout le temps quelque chose à faire pour aller s'amuser, là. C'est vraiment pas difficile. Je m'appelle Priscilla Santis-Jombisi. Je viens du Cameroun. Mon accueil a vraiment été chaleureux. Donc, le premier jour que je suis arrivée en Abitibi, je ne m'attendais pas à vivre une expérience aussi extraordinaire. Donc, je me suis vraiment sentie accueillie. Puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. Puis, un côté que j'adore de la région, que j'adore de Rouyn-Noranda.